Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce jeudi 11 avril. Hein. C'est jeudi donc c'est jour du sketch. Et alors j'avais oublié que c'était jeudi aujourd'hui et que c'était le jour du sketch. Alors donc du coup, hier soir je me suis dit oh là là mon dieu, on va pas faire le junk. Enfin on va le faire mais du coup on va faire avant le sketch. Et alors, on va faire celui de Séverine Zeglio. Je l'ai mis sur la communauté, hein. Et alors, je l'ai mis sur la communauté. Et donc, vous pouvez aller voir sur la communauté pour le faire. Ou sinon, le faire avec moi, hein, ou pas. C'est ça. Alors, hier, j'ai eu une journée un petit peu compliquée. Oh là 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 là. Mon Dieu. Alors, on est le 11 et il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter, enfin qu'on ne connaisse en tout cas, ou alors voilà. Et c'est la Saint Stanislas. Hein, Stanislas. Joyeux anniversaire à tous les Stanislas de la Terre et de l'univers. Ouais, hier, alors j'ai pas de rendez-vous chez le rhumato, je n'ai pas de rendez-vous chez le neurologue. Non, non, c'est un vrai sketch. Hein. Ah, je suis allée à ma prise de sang ce matin, mais bon, voilà, il n'y a que ça. Le neurologue, il faut envoyer un mail. Et puis, vous renvoyez un rendez-vous par mail. Voilà. Il n'y a pas de disponibilité de toute façon avant le mois de juin. Ensuite, le rhumatologue, il n'y a pas de disponibilité avant décembre 2024. Quand on appelle les autres, parce qu'évidemment, j'ai passé ma journée à ça, hein, appeler un tel, on ne prend plus personne. Alors, lui, il s'occupe que des genoux. Il y en a un, il s'occupait que des genoux. Donc, j'aime tes genoux. Hein. Ben, j'ai dit, moi, c'est la main. Il me dit, ben non, non, non. On fait que les genoux. Bon, bah, on fait que les genoux. Enfin, le délire, hein, le délire. Hier, j'ai passé une journée horrible. Donc, voilà. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est ce matin, ma prise de sang. Et puis, c'est tout. Voilà. Voilà. Sans compter les problèmes avec la banque. Je ne pouvais plus me connecter à mon compte. Il a fallu, alors, taper 1, taper 2, taper 3, taper 8. Je me suis dit, je vais taper le banquier tout à l'heure. J'appelle une fois, elle me donne un machin, une procédure, ça marche pas. Je ne fonctionne qu'avec l'ordinateur, moi, pour la banque. Je ne vais jamais à la banque, à part en début d'année, pour leur piquer des calendriers. Sinon, je n'y vais jamais. Je fais tout par Filibank, quoi. Et alors, j'appelle, elle me dit, bah oui, ça peut arriver. Ah bon, mais d'accord, ok. Bon, bah, je lui dis, oui, ça peut arriver, mais enfin, bon, j'aimerais bien pouvoir me connecter, j'ai des choses à faire, hein, donc j'aimerais bien savoir, voilà. Hein. Et alors, bon, elle me donne une procédure, ça ne fonctionne pas. Hein. Je rappelle, taper 1, taper 2, taper 8, enfin bon, bref. La deuxième fois, rebelote, parce qu'elle s'énerve, elle me dit, vous êtes trompée. Je dis, non, c'est bon, je ne me suis pas trompée, je sais quand même, depuis le temps. Je me suis pas trompée, c'est votre truc qui fonctionne pas. Vous m'avez, je sais pas ce qui se passe quoi. Code erroné. J'ai mis erroné, ça marche pas. Hein. C'est pas mon code erroné. Hein. Non. Alors donc voilà quoi. Et alors la deuxième fois donc elle me prend de haut, hein. Elle me prend de haut et tout ça et elle commence à me dire ouais bah, c'est bon, je vais vous donner un nouveau code, mais voilà quoi, c'est vous qui vous trompez. Ok. Deuxième fois ça marche pas. Je prends ma voiture, je fonce. Je suis pas très loin. Hein. Et je regarde l'heure, 17h, ça fermait à 18h, je fonce. Hein, je fonce. Alors, pour se garer en centre-ville, machin, tout ça. Je prends mon chien, le chien, il touchait pas terre. Hein, je l'ai pris. Il touchait pas terre, le pauvre Joy. Non, il touchait pas terre. Je le soulevais pour. Je courais. Hein, je rentre dans la banque, comme une furie. Hein. Il était tout seul dans son bureau, là. Je sais pas ce qu'il foutait sur son ordinateur. J'ai dit, j'ai un problème avec mon compte, là. J'arrive pas à me connecter. Il me dit, bah, attendez, je finis ce que je fais. J'ai dit, bah, il y en a pour longtemps, parce que voilà, quoi. Ça fait une plombe que je suis sur le truc. Et donc, voilà, quoi. J'ai des choses à faire. Alors, il me dit, bon, bah oui, je vais mettre de côté parce que c'est plus long que... J'ai dit, bon, bah, merci. Hein? J'ai dit, je ne partirai pas d'ici, mais comme ça, hein, vraiment. J'ai dit, je partirai pas d'ici tant que je peux pas me connecter sur mon compte et savoir ce qui se passe sur mon compte, monsieur. Elle me dit, restez calme. Je dis, oui, je suis calme là. Là, je suis calme. Mais je peux peut-être m'énerver si vous ne trouvez pas la solution rapidement. Il me dit, ouais, mais c'est parce qu'on change les façons de se connecter pour la sécurité, les machins. Je dis, vous pouvez pas nous prévenir, non? Ah, j'ai pas moi. Hein, voilà. Enfin, je suis repartie, ça fonctionnait. Je peux vous dire que ça fonctionnait. Hein, vous avez compris. Bon, alors, donc, ouais, c'est parti. Au bout de 5 minutes. Nous allons, franchement, j'en ai ras-le-bol. Pas vous? Ah si, moi j'en ai marre. Et puis alors ce temps pourri, hein. Ah mais il fait moche, hein. Il fait moche. Hein. J'en ai marre, moi. Alors donc c'est parti, au bout de 5 minutes, c'est parti. On va faire ce sketch-là. Est-ce qu'on le voit bien là à l'écran? Hop, c'est la base, vous la prendrez, la base de vos rêves. Moi je vais faire le sketch-là pour embellir mon junk. Hein. Donc, un demi-cercle.
dans lequel, qui sert de pochette en fait, pour y mettre 5 tags. 5 tags de tailles différentes, ou de taille pareille, vous ferez bien ce que vous voulez. Et puis un sentiment ici, et puis voilà, hein, on va faire ça. Alors, comme j'ai décidé de faire un junk sur le thème des licornes, parce que je n'ai rien sur les licornes, strictement rien, non, non, rien du tout, non, rien du tout. Mais je fais ça pourquoi? C'est parce que j'ai fait un petit album. Ce bloc-là, ce bloc-là m'a inspiré les licornes, alors que jamais je fais de la licorne, mais enfin, il m'a inspiré la licorne, allez savoir pourquoi. Alors, donc, j'ai fait un petit album tout simple, hein, déstructuré, tout simple, tout simple. C'est pour que tout le monde puisse faire ce genre de choses. Hein. Et alors, il me reste 2-3 bricoles. Il me reste des trucs sur les licornes. Enfin, il me reste. Non, il me reste rien parce que j'ai utilisé tous les die cuts. Mais par contre, j'en avais acheté deux, là, des. Mince, j'en ai foutu. Oh, je sais pas. Des machins, là, des trucs pour mettre dans les gâteaux, là. Hein. Je suppose que j'en ai foutu. Non, je sais pas. Mais peu importe. Donc il m'en restait un autre. Et puis il me reste. Et puis il y a ces petits machins-là, tout mignon, mignon. Alors, il y en a une d'entre vous qui m'a dit que je l'avais mal défait. Je sais pas quoi. Je sais pas. J'ai rien compris. Derrière, il y a un sticker bleu. Enfin, c'est une pellicule bleue, un film bleu. Puis après, il y a encore un film transparent à retirer. Il y a deux films à retirer. Moi, j'ai retiré ça. Elle m'a dit que j'avais pas bien fait. Ou j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est pas très grave. Hein. Bon, bref. Alors, donc, du coup. Ah, si, tiens, il est là. Ça, c'est le deuxième. J'en avais acheté deux. Et je trouve celui-là, il fait très enfantin. L'autre, il fait un peu plus grand. Et celui-là, il fait un peu plus bébé. Enfin, je trouve. Hein. Donc, c'est celui-ci. Bah, je me suis dit, faut bien que j'en fasse quelque chose. Parce que moi, les licornes, voilà quoi. Hein. Un cheval et puis une corne. Voilà. Alors, moi, je préfère Pégase. J'ai le droit. Hein, de préférer Pégase. Et alors donc du coup c'est tout mignon mignon quand même hein, c'est pas le problème c'est tout mignon hein. Alors donc je me suis dit il m'en reste un machin deux trois bricoles j'ai un tampon là comme ça là, je sais pas si c'est vous qui me l'avez offert ou si un jour j'ai acheté ça j'en sais rien c'est un arc-en-ciel voilà ça tombe très bien ça va bien avec les licornes très bien et puis je verrai ce que j'ai si je retrouve des trucs pour décorer enfin bref donc je vais faire donc le junk dès demain je vais faire le junk j'ai commencer à regrouper, vous voyez, ça, quand je vais faire un junk, eh bien, on fait tout pareil. On commence à regrouper des choses, vous voyez, ça c'est des feuilles de magazine de je sais pas quoi, par exemple. Vous voyez, j'ai trouvé des couleurs, je cherche dans les couleurs de ce truc-là en fait, hein, vous voyez, voilà. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est top ça c'est top, dites donc, ça va super bien. Hein. Alors, je vais prendre ce papier-là, et puis j'ai commencé à regrouper, vous voyez, des papiers bleus, des papiers que vous m'avez fait teinter au café. Voilà, j'ai commencé à regrouper des napperons, des machins, des tout ça, des feuilles de livres, bah, pour faire un junk, quoi, en fait. OK? Et puis du bleu, parce que j'aime bien le bleu, ça rappelle un peu le ciel où on peut y mettre des choses, des trucs, des bidules. Je partirai, je vous le dis, c'est pour celles qui veulent faire avec moi le junk. Mais le junk de base, vraiment le plus simplement possible. D'accord? Je vais partir, c'est simple, sur une feuille, une enveloppe là, une grande enveloppe A4, hein? Une coin-coin là. Je vais partir sur une enveloppe comme ça. La couleur que vous voulez, moi j'en voulais une grise, enfin craft, mais j'en ai plus et Action n'en vend pas. Ils en ont que des blanches, tant pis, c'est pas grave, je partirai sur du blanc. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas dramatique. Je vais partir sur une. Et si celles qui veulent le faire avec moi n'ont pas ça, c'est pas grave, vous en prenez deux demi, hein, comme ça, des A5, je crois, ça c'est A5. Eh bien, hop, vous les mettez comme ça, hop, on les colle ensemble, et puis ça fait exactement la même dimension. Exactement la même dimension que ça. Voyez, hein, d'accord? Voilà, c'est exactement pareil. Donc, soit ça, mais moi je vais partir, voilà, on s'en fiche. Après, ben, vous regrouperez des trucs, des machins, ça c'est toutes des choses que vous m'avez fait, des choses que j'ai vraiment envie de mettre dedans, c'est trop beau, ça c'est exactement les couleurs. Vraiment, je me suis dit, ben, tiens, c'est fait pour, vous voyez, c'est des couleurs, elles vont trop bien ensemble. Ça va être trop joli, regardez-moi ça, si ça va pas être magnifique, ça va être trop beau. Donc, et puis des trucs, des machins, des bidules. Alors, vous allez retrouver des choses que vous m'avez faites dedans, hein? Il y aura, je pense, une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages, voilà, une vingtaine de pages, ça peut être du vellum, ça peut être du calque, ça peut être, j'ai même trouvé une feuille que vous m'aviez fait pailleter, là. Alors ça, c'est des patouilles que vous m'avez fait à la mousse à raser, ça va trop bien avec. Ça, c'est des tout ça, c'est à vous, hein. Tout ça, c'est des choses que vous m'avez. Mais il y a longtemps, hein, ça, hein, par exemple, hein. Les cœurs, les papillons et tout ça fait super longtemps que je les ai dans mes placards. Hein. Ça, c'est à vous, tout est à vous, hein. Ça, voilà, ça, ça va être trop beau aussi.
Dena Prong, vous m'avez envoyé. Ah oui, c'est ça que je parlais. Ça, c'est une feuille plastique, là. Hein, vous l'avez plastifiée avec des paillettes dedans. C'est parfait, parfait. Ça, ça je sais qui c'est. C'est pareil, ça fait hyper longtemps. C'est Angélique Perle des Anges, hein, c'est, qui m'a envoyé plusieurs pages de livres comme ça. Elles sont sublimes et ça fait l'occasion de m'en servir aussi. Elle m'avait mis dans son message, je m'adresse à Angélique là, elle m'avait mis « j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire ». Je ne vous dis pas, ça fait au moins un an qu'elle me les a envoyées, peut-être même plus, j'en sais rien. Le jour est arrivé. Si, c'est le jour est arrivé. Et puis ça aussi, j'ai trouvé que c'était trop beau, c'est du papier de soie. C'est Chupoki qui m'a envoyé ça aussi, c'est, vous savez, du papier du décopatch là. Et alors c'est pareil, c'est exactement dans les couleurs, regardez. Ah si, un jour arrive où tout peut être réuni et c'est demain. Voilà, c'est demain. Donc, en tout cas, voilà, ça c'était juste pour vous mettre dans le bain de ce que je vais faire demain, d'accord? Donc là, en ce qui concerne... alors attendez, parce que j'ai une base. Alors ça c'est des enveloppes, mais je ne vais pas prendre ces enveloppes-là, mais c'est pour vous dire, on peut prendre des enveloppes... des enveloppes pour comment? Si je voulais vous dire, vous prenez des enveloppes pour faire des pochettes dans votre junk. Voilà, vous ferez. Après, on fait le livret et après, on peut rajouter au fur et à mesure des choses. Hein. Alors, ça sera pour mettre dans le junk. Voilà. Ça sera. Bah justement, ce sera un truc de. Alors, j'ai pris la couverture qu'on a utilisée. Vous savez, la couverture du bloc de. Bah justement, je crois que c'était ça. Voilà. Je l'ai pris. Vous savez, le dos pour faire comment? La structure de l'album. Hein. Alors, j'avais pris le dos. Il me restait un petit bout. Et ben, je me suis dit, voilà. Tiens, voilà, c'est parfait. J'ai pris le petit bout. Ce sera ma base pour mettre dans mon junk. Hein. Les bases 10-15 vont très, très bien dans le format qu'on va faire. Vous pouvez faire des cartes 10-15. Hein, des petits livrets pour intégrer les petits livrets et tout ça. Moi, je vais juste les poser comme ça sur une page, par exemple, avec des petits tags et puis des petits stickers. Je ne sais pas ce que je trouverai. J'en sais rien sur le thème de la licorne. J'en sais rien. J'ai pas fait de recherche encore là-dessus. Hein. J'irai sur Pinterest ou dans les magazines ou j'en sais rien. Je ne sais pas encore. Hein. Donc, voilà. Et alors, j'ai trouvé. Donc, ça c'était la page de ça. Hein. Voilà. Et donc, c'est la partie. Pouf, pouf. Je suis obligée de recommencer parce que mon téléphone, il a coupé, n'avait plus de batterie. De toute façon, je suis dans une période de loose. Donc, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Hein, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de toute façon de mes problèmes. Si, tout le monde s'en fout. Donc, on y va, c'est parti. Je vais, donc, il y a donc un demi-cercle et 5 tags. Il n'y a rien de compliqué. Vous regarderez la photo de sa création à Séverine. C'est très joli ce qu'elle a fait. Hein. Alors, le tampon. Hop, je vais, je vais le tamponner, hein, la bonne blague, c'est ça. Je vais le tamponner sur une chute. Est-ce que ça, c'est bien la taille? Ouais, c'est bon. Je vais le tamponner sur une chute là où il y a... C'est du junk. Alors, on s'en fout. Hein, voilà. Je vais le tamponner là-dessus. Ça ne se verra pas puisque ça sera collé comme ça. Alors, ça va représenter mon demi-cercle. C'est très bien. Alors, je vais... je pourrais très bien le coloriser ou quoi que ce soit. J'ai pas envie. C'est du junk. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Hop là. Mettre... Alors, j'ai pas de couleur, là. Il me faudrait du mauve, du machin, du rose et tout, mais j'en ai pas, là. C'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. Hein. Ils sont là-haut et puis j'ai pas envie d'y aller. Après, je pourrais mettre du feutre. Ça marche aussi, le feutre. Ah bah tiens, voilà, c'est ça que je vais faire. Il est où, mon petit embellissement, là? Je suis un peu... ce matin, ça, c'est dû à hier. Et puis la prise de sang et tout ça, ça m'a un peu... Ah oui, bah c'est pareil. Ah bah oui, ils m'ont testé VIH. Elle me dit c'est offert et tout. C'est offert, c'est grâce, c'est offert. Pour toute prise de sang, vous avez le test du VIH offert. Mais c'est vrai en plus. Je vous jure, c'est comme ça que ça s'est passé quasiment. Hein. Et ça m'a fait rire. J'ai dit, bah, pourquoi faire? Elle me dit, bah, c'est offert, c'est machin. Je dis, bon, bah, puisque c'est cadeau, allez-y, faites-moi le test du VIH. J'étais morte de rire. Si, j'étais morte de rire. J'ai le droit d'être morte de rire, vous savez. Ça me fait trop rire. Allez, je vais prendre du rose. Je vais prendre du orange. Je prends des feutres aquarellables. Tu as fait le droit. Ça, c'est pas du papier aquarellable. Hein. On s'en fout complet. Hein. Je m'en fous. C'est des emballages. C'est du junk. Le junk, on récupère. On récupère, on récupère. Un peu de bleu. Tiens, un peu de bleu. Ce bleu, je mets un peu n'importe quoi. Et puis, c'est tout. Ça suffira. Bleu, orange, un peu de jaune. Je sais pas si ça va bien le faire. Mais on disait qu'on était content. C'est ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coloriser comme ça, mais un peu à l'arrache.
un peu à l'arrache mon machin, mon tampon là. Hein, d'accord? Mais pas dans le sens comme ça. Non, je fais ce que je veux. Non, mais dites donc, hein, vous n'avez pas commencé à dire ça va être n'importe quoi. Oui, ça va être n'importe quoi, j'ai le droit, hein, je fais ce que je veux. Donc, je mets un peu des feutres aquarellables sur mon tampon. Hein. J'aime bien vous donner quelques idées comme ça. Si, j'ai tellement, 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 tellement inspirante. Alors, c'est ça. Et ça, et là, je fais vraiment n'importe quoi. Ça fait le droit. Alors, hop, vous voyez, je dépose mes feutres aquarellables. Là, ça se voit mieux avec le bleu, par exemple. Hein, d'accord? Moi aussi, ça se voit. Alors, on fait comme ça. Hein, on fait ce qu'on veut. Hein, on s'amuse. Voilà, qu'est-ce qu'on s'amuse? Si vous n'avez pas d'encre, si vous n'avez rien, que vous avez un tampon Action chez vous et que vous ne savez pas comment vous en servir, bah vous faites ça, puis vous dites que vous êtes content. Voilà. Hein, et là, je vais tamponner. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'adore. Si, j'adore. J'ai le droit de m'amuser quand même. J'ai le droit. Donc, hop. Et là, hop, je vais ranger mes feutres. Je fais vraiment. Là, c'est du junk. Hein. C'est du junk, hein, je vous préviens. Ça, je peux ranger. Hein, hop. Comme c'est pas du papier aquarellable, c'est un peu du papier un peu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. C'est pas mal! Mais c'est pas mal! Regardez-moi ça si c'est pas joli. Alors, faut nettoyer ça. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein? Oui, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. J'aime bien, moi. J'aime bien. Vous voyez, bon, c'est pour que ça aille avec ça. Bon, hein, et peut-être à la fin, bon, je vais le sécher un peu parce que c'est comme c'est pas aquarellable. Attendez, je vais mettre sous silence, non? Hop là! Donc je vais sécher et ça fait ça. Oui, alors on n'aime pas, c'est pas grave. Hein. La question n'est pas là. Donc là, je vais le détourer. Je vais le détourer. Hop. Grosso modo, enfin grosso modo, non, non, pas grosso modo, je vais le détourer comme il faut, quoi, je veux dire, ça fera mon demi-cercle. Alors, je pourrais peut-être le coloriser au final, mais je ne sais pas encore. Hein. Pour l'instant, je le laisse comme ça parce que je ne sais pas. Pour moi, c'est un détail le fait de le coloriser ou pas, hein, vraiment. Hein. Je fais mon demi-cercle qui va se retrouver sur ma base de cartes, ok? Hop, et là, je vais laisser le milieu. Pourquoi? Parce qu'il est possible. Parce qu'il faut mettre le sentiment là, sur le demi-cercle. Hein. Et moi, alors, je vais mettre ça là. Mais non, je vais mettre le ciel bleu en l'air. J'ai failli me tromper dans ce que je voulais faire. Je vais faire comme ça. Mais ce que je voulais faire surtout, c'était. Voilà, parce que elle là, elle là. Je vais la mettre là, ici, là. Vous voyez? Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc là, je vais le retirer. Je vais le faire à la fin, mais. Je regarde si ça va ce que je veux faire, oui. Parce que comme c'est de la récup, hein, c'est de la récup. Hein, donc le papier, bon bah ouais, ça bave et tout. Mais c'est pas très grave parce qu'après on peut coloriser, ça se verra plus. Non, ça se verra plus. Je coloriserai mes petits cœurs, tout ça délicatement, machin. Voilà. Hop. Et je crois qu'il y avait un autre film, non? Il n'y a pas un autre film? Ah non. Moi, ouais, je sais pas. Moi, je coupe. Hein. Ouais. Oh, je fais ce que je veux dans mes dites. C'est ça. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, que j'ai pas fait de bien. Il y a un truc que j'ai pas fait, je sais pas quoi. Bon. Ouais. Et je vais mettre ça là, regardez. Ça va être tout mignon. Regardez, ça va être tout joli. Oh, c'était tout mignon, mignon. Si, c'était tout mignon, mignon. Donc là, je vais mettre du double face et tout de suite, je vais le mettre. Allez. Et ensuite, j'aurais plus qu'à fermer. Enfin, j'aurais plus. C'est ça. N'importe quoi. Oui, je n'aurais plus qu'à fermer, tag. Alors là, je le mets là. Je ne colorise pas. Pour l'instant, je ne colorise pas. Non. Hop, voilà, ça fera ça. C'est tellement beau, hein. C'est tellement magnifique. Et là, je vais me mettre là et je vais le mettre en 3D pour pouvoir mettre les tags. D'accord? Je vais faire une pochette, quoi. Enfin, une pochette. Je fais une. Vous avez compris, quoi. Hein, je fais. Vous avez compris. Si. Alors, je vais mettre comme ça là autour. Je vais mettre. Ça fait gros, ça. Non, ça va aller. Hop. Hop. Oh là là, mon Dieu, dans quel monde on vit? Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, oh, je suis, ça, franchement, ça m'épuise. Hein. Bien quand le docteur hier m'a dit, vous n'êtes pas stressé des fois? Non, pensez donc, je suis pas stressé. Non, non, c'est pas mon entourage qui me stresse, hein, j'ai pas d'entourage. Hein. C'est vous là, c'est vous tous là. C'est les administrations, les machins, les trucs, c'est vous qui nous stressez. C'est pas pareil, hein. Si, 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 si. Les machins, les docteurs, y a pas, on peut pas se faire soigner, hein. On peut pas se faire soigner. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? Eh ben, on devient désagréable parce qu'on a mal quand même.
Hein, donc, bah, quand on a mal, bah, c'est pas drôle. Hein. Alors, on est désagréable et c'est tout à fait normal. Hein. Et on en a ras-le-bol, quoi. Parce qu'en plus, on paye. Moi, je paye mes mutuelles, je paye mes... on paye, punaise. Ça devient chiant, la force. Hein. Pour se faire bien soigner, il faut être un chien et un chat pour aller chez le vétérinaire. Hein, parce qu'eux, ils ont toujours de la place, par contre. Bah oui. Hein, regardez. Hein, ça va être joli. Après, je dis pas que je vais pas coloriser mon arc-en-ciel. Hein. Je dis pas. Hein. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. C'est possible que je respecte les couleurs qui sont ressorties. Là, je fais. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Donc ça. Et je vais peut-être arrondir les angles en haut. C'est pas. On n'a pas le droit normalement. Elle n'a pas dit qu'on devait arrondir les angles. Mais moi, je prends le gauche. Monsieur, je prends le gauche. Je vais arrondir. Oh non, je sais. Oh, je sais pas. Si je vais arrondir, j'ai le droit, j'ai le droit. Je le fais. Elle me dira rien. Non, elle me dira rien. Si je trouve pas l'arrondisseur. L'arrondisseur. Ah, s'il est là. Jeanne Sébins. Alors, quand je vais faire un jungle, c'est pire que tout, là, je crois bien. Si, c'est pire que tout. Et j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le faire, mais c'est demain. Hein, parce que là, aujourd'hui, j'ai du courrier à ouvrir aussi. Donc, vous voyez? Ah, oh, c'était trop beau. Arrondi, parce que ça fait penser à l'arrondi comme ça, c'est tout mignon. Allez, maintenant, on va faire avec des chutes les 5 tags. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on fait les tailles qu'on veut. Aussi. Et je vais garder ce côté craft un peu, là. Enfin, craft. Pas craft, c'est gris, là, vous savez. De l'emballage là et là je vais coller mon papier dessus là alors parce que je vais en faire 5 donc il va falloir que je trouve 5 5 chutes là il y a un petit c'est bien ça hein si c'est bien je vais faire ça je vais faire ça je vais mater mes papiers et puis je découperai 5 tags tout simplement allez on y va je suis un peu j'ai un peu de mal ce matin je trouve hein c'est un peu je suis un peu voilà quoi vous avez compris quoi. Je vais juste le découper bien si ça veut. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Je colle sur mon machin. Sur mon machin. Alors, peut-être je vais prendre du. Parce que là, j'avais mis de la colle. Mémé, pépé. C'est ça. C'est ça. Mémé, pépé, quoi. Vous avez compris. Alors, je vais quand même mettre de la colle, tant pis. C'est parce que la colle avec du papier extrêmement fin comme ça sur du cartonnette, je sais pas, c'est pas joujou le résultat. Mais bon, on va voir, hein. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je me suis endormie. Ah non, ce soir c'est Capitaine Marlowe. Hein. Enfin, j'espère que cette fois-ci je vais pas m'endormir. C'est pas sûr. Je m'endors en ce moment. Je m'endors tout le temps. De toute façon, la télé, vous avez compris quoi. J'aime bien pourtant hein, Capitaine Marlowe et tout ça. J'adore, elle me fait rire, mais je m'endors quoi. C'est quoi ça? Je connais ça. Je prends mes chutes là. Je sais pas si ça tient ça. Comme ça. Et puis là, est-ce que ça tient là? Là, oh, je verrai après. Je verrai après. Alors, pour ce faire, 5 tags il nous faut. Alors 5 tags, 5 tags, 5 tags, tac 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 tac, tac. C'est ça. C'est beau, hein, ça, hein? C'est très beau. Hein? Donc, 5. Des grands, des petits, des moyens. Il n'y a pas de spécialement de dimension. Elle n'a pas donné de. Hein, on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Hein? Hein? Alors, donc, pour ce faire, il faut que les 5 tiennent là-dedans quand même, mais on peut les mettre les uns sur les autres. Donc, vous avez compris, quoi. Je vais en faire un de 5. Hop, un de 5. Un de 5. Deux de 5. Moi, je veux des jolies couleurs. Là, elles sont belles, celles-ci. Celui-là, elle est trop beau. Hein. Je veux de ça, moi, du bleu, là. Oh, il est magnifique. J'ai pas pris les plus. Bah, c'est pas grave. Enfin, j'ai pas pris les plus jolies couleurs, mais j'utiliserai de façon pour mon junk. Quoi qu'il arrive, il sera dedans. Donc, c'est pas grave. Deux. Hop. Ensuite, un de quatre. Voilà. Un de quatre. Là, je fais ce que je veux. Hein. Enfin, là, je suis en train d'inventer les dimensions. Hein. Je fais deux de 5 de large. 1 de 4, 2 de 4, allez, allons-y, 2 de 4,
Voilà. Et puis, un de deux. Hein? Ou deux, non, deux, c'est petit. Hein? Ah, si, c'est bien, c'est ça. Un de trois. Allez, un de trois. Voilà. Hop, il me reste. Oh, bah, c'est pile poil, dis donc. J'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Allez. Et puis là, les mesures, la hauteur, bien, faut que ça tienne dans le. Ah, c'est sûr, bien sûr. Alors là, vous voyez, j'ai pas envie de. Vous voyez, ça, mon matage, il dépasse. Et eh bien, je vais le rabattre derrière. Je vais même pas le couper. Non, je vais pas le couper. Comme c'est des tags et puis qu'on verra derrière, eh bien, je pense que je vais le rabattre comme ça derrière. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Ça, c'est ça. C'est des chutes. Là, ou alors je peux coller du papier derrière. Je vais rabattre comme ça derrière. Ouais, je vais faire ça. Allez. Donc, un peu de double face. Hop. Comme ci, comme ça. Parce que la colle, je regrette d'avoir mis de la colle. Ça gondole. Elle est gondole à Venise. Voilà, je vais faire ça. Alors, un comme ça. Ils sont pas faits encore, attendez. Enfin, attendez. Non, attendez pas, faites ce que vous voulez. C'est ça. Allez, gondole à Venise. On n'ouvre pas les valises. On est si bien. Attends, je prends mon pic. Piquer, piquer, collégramme. Hop. Voilà, un, deux. Comme ça. Pour l'instant, je les mets comme ça. C'est juste. Hein, il n'y a pas de. Là, c'est pas fait, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est. T'as compris, quoi. Hop, hop. Parce qu'après, derrière, plus tard, je peux très bien décorer, écrire, tamponner des choses. Vous voyez, c'est rien, quoi. Hein. J'aime bien quand je fais un junk, laisser plein plein de choses pas faites. Vous savez, pour le faire quand, ben, quand on a le temps. J'ai envie de dire, les choses qui sont pas faites tout de suite, elles sont jamais faites. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Parce que, vous savez, j'ai mon junk couture qui est toujours en cours. J'ai mon herbier qui est toujours en cours. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ils sont commencés. Et je sais très bien que je trouverai le temps. J'en suis sûre, bien sûr que si. Je vais trouver le temps un jour de dire. Parce que quand on a envie de faire un truc et puis on a plusieurs projets en route, eh bien, des fois on a envie de faire ça et puis pas ça. Vous voyez? Enfin, je veux dire, on a plusieurs choix. Et ça, moi, je trouve ça bien d'avoir plusieurs projets en route. Bon, enfin, après, chacun fait. J'aime bien parce que on se lasse jamais, quoi. Alors, il y en a cinq là? 1, 2, 3, 4, 5. On disait qu'il y en avait cinq, si. Il est très beau celui-là, ce papier-là. Il est très beau. C'est mon préféré, il n'est pas dedans. Compris. Par contre, parce que mon arc-en-ciel là, sur le papier là, c'est un peu tout pourri. Si, si, c'est un peu tout pourri. Hein. Vous allez voir ce que je vais voir. Vous allez voir ce que je vais faire. Hein. Oula, oula, parce que là, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas. C'est tout pourri. C'est tout pourri. Compris. Donc voilà ce que je vous propose. Voilà ce que Non, il est pourri, il est pourri. On va pas laisser ça. C'est trop moche. Hein. Bah non, c'est trop moche, c'est trop moche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on prend notre tampon. Il est où le tampon? Ici, toi. Et on le détourne comme ça. On le détourne. C'est ça. On le détourne et on va coller, on va mater. Hein, parce qu'on va pas laisser ça, c'est trop dégueu. Hein. Ah, c'est dégueu, dégueu, dégueu. Hein. C'est ça. Une lame. Rien qu'une lame pour scraper, et la vie est merveilleuse. Rien qu'une lame pour couper autour de mon tampon. Rien qu'une larme, rien qu'une larme. Tududum, tududum. Et ma vie a vraiment changé. Oui, je vais tout arranger. Après, je pourrai aller me coucher. Rien qu'une lame pour scraper et pour couper mon papier. Rien qu'une lame pour couper et cacher mon papier et tout rater. Mais ce n'est pas de ma faute. Ta-na-na, si le papier c'était de mais je vais tout cacher et jamais vous ne le saurez. Rien qu'une larme dans tes yeux.
C'est moi le plus malheureux. J'ai compris. Vous serez tous sur le zizi, le petit, le gros, le laid, le beau, le gros joufflu, le petit poilu, le malin, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Alors donc, on va laisser comme ça. Je sais pas si on en croira. J'ai envie de faire du vintage. Ça fait le droit de faire du vintage. Hein, je vais faire du vintage. Rien qu'une larme, Scatius for. Scatius for. Want again for choose me. Rien qu'une larme dans tes yeux. Ah oui, je sens bien que c'est moi le plus malheureux. Allez, c'est bon. Hein, voilà, on a 15 jours pour faire une carte. Ensuite, donc là, nous avons nos tags, nos futurs tags. Alors, je vais couper en haut, couper en haut, couper en haut. Pour ce faire, rien de ces bordels. Oh là là, oh le délire. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai même des appareils pour faire des tags. J'ai tout ce qu'il faut, hein, je vous assure. Alors, je vous assure, je vous assure. Mais bon, alors, puisque c'est simple, prendre une perforatrice pour faire des trous. Et alors, moi, j'ai pas besoin de décorer machin, mes trucs parce que mon papier, il est déjà tout beau. Hein. Bon, ça va être tellement magnifique. Hein. Alors, ça sera en bas et ça sera en haut. Pour faire un tag, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un rectangle et on fait un coin comme ça. Un coin. Regardez, hop, moi je fais comme ça, parce que j'ai le droit, je fais un coin, et comme je veux qu'il soit exactement pareil, qu'est-ce que je fais? Je pose à l'envers, il était à l'endroit, je coupe pas ce que je veux, et paf, je le reporte de l'autre côté, à l'envers. Comme ça, j'ai exactement, le même côté que l'autre côté, et même tout ça, hein, on fait ça. Allez, moi je fais ça, c'est tout. Alors attention de ne pas se blesser sur la plaque de verre, c'est n'importe quoi ce que je fais bien sûr. Hein. Vous ne faites pas ça, vous. Hein. Vous ne le faites pas, d'accord hein. Vous ne faites pas ce que je fais, c'est trop dangereux. C'est très dangereux. Mais bon, hein, je fais. Hein. Et donc là, on a le premier tag. Alors je vais le couper un tout petit peu là. Je fais tout ce que je veux de toute façon. Hop, voilà. Pour le rétrécir. Voilà, ah, c'est mieux. Je vais arrondir les bouts en bas, parce que j'ai le droit. Hein. J'ai envie que ce soit arrondi. Elle l'a pas dit, mais on voit pas le bas qu'elle a fait. On ne voit pas, donc on fait qu'est-ce qu'on veut. Et là, on fait un trou. On fait un trou. On pourrait mettre des jolis œillets. On pourrait mettre tout ce qu'on veut, d'accord hein hein. Voilà. Hop. Et voilà un premier tag. Il n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des rubans. Alors, je vais. Hop là. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. C'est trop beau. Ça va être très joli. Ça va être très sympa. Alors ensuite, il y en a 5. Hein, c'est ça, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Pareil, je laisse le bord que j'ai remachiné vers le bas, moi. Bon, après, bon, il n'y a rien de... Là, je vous dis, c'est tellement magnifique. C'est ça. Et là, hop, celui-là, je vais le faire là. Je fais un petit coin comme ça. Zopif, hein, zopif, zopif. Et je remets le bout qui est à l'envers, Zalendroit, Zalendroit, Zalando. Zalando et Zaland, 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 Zaland. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Ça risque pour un joueur de me baigner, joueur de la flotte. Hein. Oh là! Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Regardez comme c'est beau ce que je fais. À la claire fontaine, je n'y attire à ma fille. Choubidoubidou, la choubidoubidoudou. Allez hop, un deuxième tag, on est content, content. C'est tellement beau ce que je fais. C'est vrai, en plus c'est trop beau. C'est comment? C'est beau derrière? Ah oui, c'est beau. Ah, parce que je regardais si derrière c'était beau aussi. Il est beau. Parce qu'il y en a un qui est pas beau là. Celui-là je veux pas. Non, je ne le veux pas. Je ne veux pas. Non, je vais coller du papier derrière et ça aussi. Là, je vais les mater derrière. Mater ma métisse. Hop. Alors là. Ah, j'ai oublié de le remettre lui. Oui, j'ai oublié de le remettre. Oui, t'étais tout mignon, mignon. Ah là 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 là. Je le remets, je ne le remets pas. J'en sais rien. Je sais pas. Hein. Oula, je ne vais pas le mettre tout de suite lui. Non, non, non. Je ne vais pas le mettre. Non, je mettrai dans mon junk, je sais pas où. Je ne veux pas le mettre là-dessus. Non. C'était juste pour vous parler du bidou, du choubidou, choubidou. Alors, donc là, on fait ça. Là, je vais, hop, comme ça.
Hein? Je les fais tous différents à l'arrache comme ça. On fait ce qu'on veut. Hein? Il n'y a pas de dimension spéciale. Hein? Ah là là. Dis-moi pourquoi tu fais n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Oh, ils sont trop beaux mes tags. Ils sont trop beaux. J'adore. Je trouve que ça va bien avec le thème que je vais aborder, moi. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop magnifique. C'est magnifique. Et derrière, ceux-là, moi, je vais les décorer parce que c'est du papier. J'ai mis du papier un peu tout pourri. Enfin, tout pourri. Je vais prendre ça. Ah, bah tiens, il me restait une chute. Mais c'est merveilleux. Mais c'est trop merveilleux. Allez, hop là. Un bout de colle. Elle est où ma colle? Elle est où ma colle? Elle est où? Elle est où? Elle est où ma colle? Elle est où? Elle est où? Elle est où ma colle? Elle est où? Parce que quand même, elle est tag, on voit derrière. Donc, il faut que ce soit joli devant, derrière, sur les côtés hein, et au milieu. Hein. Il faut que ce soit beau de partout, de partout, de partout. Hein, bien sûr. Hop là. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Trop, trop magnifique. C'est trop, trop magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Hein. Trop, trop joli. Voilà. Et celui-ci aussi, je vais le cacher. Enfin, je vais le cacher. Je veux dire, je vais le cacher, le dos, pour faire un joli dos. Faire dodo, quoi. Et on fait dodo. Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormira bientôt. Ou pas. Hein. Oh non. Voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, donc, pour ce faire. Hop, ainsi toi. Alors, je vais le faire en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Je vais le faire en haut. Alors, pour ce faire en haut, je vais faire. Alors là, je coupe ici, hop, hop, un petit coin là. Alors, je remets le petit coin là. Vous avez vu la technique de tag. Hein? Alors que j'ai un appareil qui date de... Pouh ah un appareil qui était, je crois, vendu chez les crafteliers ou je sais pas où. Où j'ai acheté ça sur Amazon, moi. Pour faire des petites tags comme ça. Je m'en suis servi une fois et puis c'était terminé. Hein? Une espèce de petit appareil de rien du tout. Ah non, je crois que je l'avais acheté en solde chez... Ah oui, 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 oui. Ça devait être un produit en solde quand j'allais chez Cultura à Tours. Hein? De temps en temps, j'y allais. Je vais plus. Et j'avais acheté ça, c'était soldé. Tu m'étonnes que c'était soldé, personne s'en sert. Hein. Bon, ah, c'est un petit appareil, là. Vous avez compris, quoi. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme connerie au début? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça que je dis aux filles, que dans mes vidéos, je vous dis... après, je sais, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, évidemment, parce que c'est normal, on a envie de s'acheter des choses et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais franchement, on se rend compte toute, hein, que ça ne sert strictement à rien. Mais bon, on le fait, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça, et puis on est toutes pareilles, point barre. Hein. Allez, c'est comme ça, puis c'est tout. Allez, là, je fais ici, là. Voilà. Et c'est pas une critique, c'est juste que je sais comment on fait, quoi. On achète des trucs, des machins. Oh là là, mon Dieu. Ouais, enfin. On fait pas de mal à personne, hein. Bah non, on fait pas de mal à personne. Et puis surtout, je dis toujours, c'est notre argent, on fait ce qu'on veut avec. Non mais dites donc, c'est ça. Hein, on fait ce qu'on veut, hein. Ça, c'est comme moi, ça me fout toujours en révolution quand on dit qu'on fait du gaspillage alimentaire et tout ça. Mais oui, oui. Enfin, moi, non, je gaspille pas parce que je mange même des trucs périmés et tout ça, moi. Mais donc voilà. Mais c'est pas ça. Ça comme j'ai travaillé en alimentaire et tout ça, je sais qu'on peut manger des choses sans risque. Mais par contre. Donc voilà, je ne gaspille pas, c'est vrai en plus. Mais par contre, les gens qui jettent et tout ça, et alors? Et alors? Ils ont payé la marchandise, ils ne l'ont pas volée. Alors ils en font ce qu'ils veulent, ils la mangent, ils la vomissent, ils la foutent aux chiottes, hein, quand ils vont, hein, on en fait ce qu'on veut après. De toute façon, ça finit de toute façon dans une poubelle, hein, que ça finisse dans les toilettes, hein, ou que ça finisse... ah mais c'est bon! À partir du moment où les gens ils ont payé leurs marchandises, ils en font ce qu'ils veulent. Point barre. Gaspillage alimentaire. C'est bon, quoi.
Non, gaspiller alimentaire, ça, c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment culpabiliser les gens pour des trucs. Voilà quoi. Ils n'ont pas à se culpabiliser sur ce qu'ils achètent et, et de la façon dont ils le consomment. Hein. C'est bon quoi. Bon, ouais, mais ça m'a toujours gonflé, ces remarques à la con là. C'est ça, vous avez compris. Je suis un peu énervée. Moi, ça m'énerve, j'ai le droit. Alors regardez, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Regardez, oui, c'était tout joli. Bah, c'était très beau. Ah non, mais je l'ai mis à l'envers. Attendez, pardon. Voilà. Ensuite, ce n'est pas fini parce que comme je vais, et ça va pas être trop beau ça avec? Bah si, ça va être trop beau avec. Hein. Regardez-moi ça, si ça va pas trop bien avec. Hein. Moi, je trouve que ça va super bien avec. Moi aussi, ça va trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre des rubans, hein, parce qu'il faut mettre des rubans. Regardez, il faut mettre des rubans là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre moi? C'est pareil, récup. Je vais pas mettre des jolis rubans machin, puisque c'est du junk. J'avais acheté, enfin, c'est pareil. Je vous dis même pas depuis quand, j'en sais rien. Ça fait vachement longtemps. J'ai cru que c'était du ruban. Il y avait marqué, et c'est ma faute, hein, pourtant c'est marqué, parce que c'est marqué ruban décoratif. Et j'ai cru que c'était des rubans, mais en fait c'est du bolduc. Et j'ai foutu ça dans le placard, puis je m'en suis jamais servi. Eh bien regardez, son heure est arrivée à lui aussi. Pourquoi? Parce que je vais prendre les couleurs. Regardez, c'est exactement les couleurs aussi. Exactement, ça fait l'arc-en-ciel. Eh bien je vais en mettre une couleur différente sur chaque tag. Alors pour ce faire, na du rose. Alors on s'en fout, hein. Enfin je veux dire, je peux même en mettre des doubles. Hein. Alors, je vais prendre les couleurs qui pètent là. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas prendre le rose pâle. Je vais prendre que les couleurs qui pètent. Hein? C'est joli. Alors, le rose foncé. Hop. Le orange. Comme il est trop beau. Hein? L'orange. Alors, je coupe un peu ce que. Alors, je ne vous dis pas, j'en ai pour toute ma vie aussi. Hein? Si vous voulez du bolduc, hein? N'hésitez pas. C'est n'importe quoi. Ah, je crois que c'était des rubans pailletés, moi. Bah oui, c'en est, hein? Mais bon, voilà quoi. Mais c'est pas grave, hein, ça sera très 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 bien dans mon junk. Ça va être trop trop joli. Le jaune. En plus, il est costaud. Donc, bon, bah, voilà, c'est impeccable. Et le vert. Voilà, hop. Donc, je prends ça. Hop. Et là, tout simplement, tout simplement, tout simplement, eh bien, je mets quoi? Eh bien, je mets un ruban sur les trucs. Donc là, je vais mettre le jaune là, je choisis mes couleurs, tu as fait le droit. Oh, c'était trop beau! Oh là 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 là. Oh là là, toi. Non, je ne veux pas te mettre, toi. Et donc, après, on pourrait faire encore plus beau, mettre un œillet tout bastringue, bien sûr. Moi, c'est du junk, donc non. Enfin, je veux dire non. Donc là, je fais ça. Et là, soit je mets un coup de double face, un coup de colle ou une petite agrafe. Là, c'est sympa aussi, l'agrafe. Je sais pas. J'en sais rien là. J'avoue que je sais pas. Non, je sais pas. Mais je vais pas faire deux nœuds parce que c'est du. Je vais pas faire deux nœuds quoi. Non. Je vais pas faire deux nœuds, donc je vais mettre un petit bout de double face, je pense. Hein? Enfin, c'est sûr même. C'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. Viens ici, toi. Oh, va falloir que je range mon bins pour pouvoir faire tranquillement mon comment? Mon junk, hein, parce que là, je vous dis même pas le délire. Hein. C'est ça. Mais ça va être facile, hein, parce que on va faire la base. Et puis, c'est toujours pareil. Hein, après, bah après, après c'est votre thème, c'est votre imagination, c'est surtout ce que vous avez à récupérer chez vous. C'est voilà quoi. Moi, je vous dis, c'était pas du tout prévu que je fasse ça, pas du tout, pas du tout. Mais je me suis dit, bah tiens, ça y est, voilà, je vais en faire un. Voilà, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, j'ai plein de choses là que vous m'offrez qui sont magnifiques. Donc voilà, ça va être bien, ça va être sympa. Alors, je vais un petit peu me galérer là. J'aurais dû aller chercher mon agrafeuse. Une agrafeuse, c'est vraiment le top pour faire ça. Je vais aller chercher mon agrafeuse parce que là, ça va me prendre la tête. Si, si. Je mets sur pause. Hop. Alors donc, je n'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé moi. Non, je ne sais pas. Et pourtant, je peux vous assurer que j'en ai. Mais j'en ai au moins deux, une écolière et une grande du machin. Mais je ne sais pas où elles sont. Non, alors là, c'est ouais, c'est la fin des haricots. Bon, ouais, je vais les coller, c'est pas grave. Je vais les plier comme ça, puis je vais les coller. C'est pas très grave. Allez. Donc, parce qu'il faut en finir. Alors, du orange là. Regardez-moi ça. Ah, t'es tout mignon, mignon. Oh là 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 là. C'est ça. Du orange ici. Hop. Voilà. Oh là là. Alors, hop. J'aurais voulu mettre une petite agrafe là. Vous voyez, j'aime bien moi faire ça aussi. Hein?
Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas en faire une comédie, mais bon, voilà, hein, vous sentez bien que je suis perturbée, c'est ça. Hop, hop, hop. Ça va, mon petit chat d'amour? Alors là, ah, puis alors, je vous ai pas dit, ah non, mon chat, il a vomi, alors vomi, le gros vomi, plusieurs même pas, dans le lit hier, si, dans le lit. Oh là 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 là. Il peut pas, non, non, mais il peut pas vomir dehors ou alors par terre. Ou... Non, dans le lit. Je vous dis même pas. Vraiment, une journée pourrie. Oui, pourrie, pourrie, pourrie. Des fois, qu'est-ce que. Hein, des fois, qu'est-ce que j'en ai marre, des fois. Vous avez compris, quoi. C'est ça, oui. Alors, donc, pour ce faire, vous aussi, vous avez des... Non, il n'y a que moi qui ai des journées comme ça. Ma pauvre Angélique, ma pauvre Angie. T'as quand même pas de chance. Quand je lis vos messages, ça me fait un peu rire parce que je me dis, c'est vrai, mais bon, c'est des, des... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de... Vous voyez, je finis... je me dis toujours, c'est des... les malheurs de Sophie, quoi. Pierre Richard, trucs comme ça, vous savez, c'est des trucs qui font rire les autres, bon, qui me font pas rire moi. Enfin, si, quoique, si, 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 ça me fait rire. En plus, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Je me dis, allez, vas-y donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Regardez, c'est beau ce que je fais, hein? Oui, t'es tout mignon. Je vais vous dire, c'est bon, regardez, c'est trop magnifique, hein? Ça fait sublime, c'est vrai en plus. Alors, le bleu, on va le mettre là, le bleu de tes yeux, hein? On va le mettre ici, hein. C'est vraiment joli, hein. Ça va bien avec la colle finalement. Bon, même si je voulais faire une agrafe. Mais bon, si j'ai pas trouvé la graffeuse, c'est parce qu'il fallait que je mette de la colle. Vous voyez, moi, c'est, je raisonne comme ça. Je me dis que si, ça veut dire que, ben, fallait pas faire comme ça, puis c'est tout, hein. Écoutons notre, notre ange sur notre épaule, qui nous guide, il nous guide sur nos créations. Alors, ça y est, je suis en train de dire n'importe quoi. Vous avez compris. Allez. Hop. Hop. C'est tellement joli. C'était si joli. Ma petite création. Elle était si jolie. Oh là là, c'est magnifique. Elle était si jolie. Ma petite création. Elle était si jolie. Oh là 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 là. Bon, après, je vais vous laisser, je vais ranger, je vais chercher mon agrafeuse. Oui, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si je suis comme ça. Non, c'est pas ma faute. Hop là, oh là là, c'est tellement joli. Et donc là, hop, comme ceci, hein, on fait ça. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, on disait que c'était ça, regardez. C'est joli, regardez. Alors, je dézoome pour que vous voyez ma magnifique, ma merveilleuse réalisation. Alors ça c'est le sketch, ça c'est moi, hein, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. C'est pour mettre dans mon junk, ça va être tellement beau. Et alors, après je peux ancrer tous les bords, hein, bien sûr, hein, je ne l'ai pas fait encore, non, je n'ai pas encore fait. Hop, je les retire, je les retire, j'ai le droit de les retirer. Hein. Je suis folle, oh, je suis un peu folle. Hein. Allez, vintage Jean, vintage Jean. Je vintage. Hop. Ils sont beaux devant, derrière, sur les côtés, au milieu, ils sont beaux de partout. Hein. Vraiment magnifique, magnifique. Hein. C'est tellement joli. Hein. Voilà. Hop. Ils sont bien, ces bolducs. Ils sont une bonne taille, ils ne sont pas trop gros et tout, vous savez. Puis ils se manipulent bien. On peut en faire ce qu'on veut, a priori. Hein. Je regrette pas. Hein. Oh là là. Non, non, pas du tout. Hop. Vous voyez, il y a du vintage dedans, là. Ça va être joli, hein. Mon junk, il va être joli. Tu sais, il va être joli, hein. Hop, regardez. C'est très beau, très, très beau. Ce que j'aime, c'est que c'est que de la récup, hein. Que des trucs qui traînaient depuis longtemps, quoi. C'est ça que j'aime bien, moi. Voilà, sublime, 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 sublime. Regardez-moi ça, c'est pas très beau. Hein. Voilà, c'était le petit détail qui finalise la chose. Voilà, moi ça c'est pas joli. Ça pétille, hein.
Ça fait quand même bien, 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 bien arc-en-ciel, machin, truc, regardez. Hein. Et alors, je vais, il faut le sentiment, là. Alors là, par contre, le sentiment, qu'est-ce qu'on va mettre, quoi? Parce que moi, je sais pas. Que du bonheur, tiens, allez, hop! Que du bonheur, allez, hop! Si, c'est arrivé là, c'est arrivé là, c'est le premier, il est vert, regardez. C'est exactement ce qu'il fallait. Exactement ce qu'il fallait, hein. J'ai pas fait exprès, c'est au hasard, au hasard. Hein. Je vais le mater, je le mate sur un. Est-ce qu'il reste une chute là? Ben voilà, hein, va être bien. Tiens, il y a une petite chute là, multicolore. Est-ce que c'est assez long? C'est pas sûr. Hein. Ah, ouais, off. Ouais. Non, c'est un peu chaud l'affaire. C'est un peu chaud, 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 chaud l'affaire, chaud l'affaire. Ben non, je vais pas le mater. C'est pas grave. De toute façon, vous avez compris. Allez, que du bonheur et je le mets tel qu'il est, hein. Tel qu'il est, nul me plaît, nul me fait de l'effet, et je l'aime. Ti la di, ti la di, ti la di la di la la, et je l'aime. Hop. Que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Oup là! Et voilà, et ça sera glissé dans mon junk. Je suis très heureuse. Hein. Alors, il me faudra bien sûr. Je sais pas si je vais la mettre. Hein, je regarde un truc. Hein, je te fais le droit. Hein. Si je le mets là, hein, je regarde. Je regarde. Si je le mets là, par exemple. Regardez. Ah, bah oui, je vais faire ça. Tiens. Voilà. Et c'est la petite licorne qui parle et qui dit que du bonheur. Hein, on fait comme si c'était une bulle. Voilà, on fait ça. Voilà mon premier embellissement pour mon junk. J'ai le droit, hein, t'étais tout mignon, hein. Et voilà, allez, cette fois-ci, c'est vraiment fini, hein. J'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis tout mon cœur, hein. J'espère que, Séverine, que j'ai relevé ton défi, hein. Voilà, j'espère que j'ai relevé ton défi. Allez, les filles, à vous, hein, les filles et les garçons, parce qu'il y a aussi des scrappeurs, hein. Si, il y a des scrappeurs, hein. Donc, à vous de vous amuser, hein, je sais pas, faites ce que vous voulez. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Ah oui, je voulais faire un bijou de, vous savez, un bijou, un charme, j'ai fait celui-là, mais je vais faire un, parce que, vous voyez ce que je vais faire ça pour mettre sur la tranche de mon junk, hein, que la personne, elle peut récupérer pour mettre sur son téléphone. Vous savez, c'est des, je sais pas comment ça s'appelle, là, les charmes de téléphone, là. Vous voyez, avec le, c'est facile à faire ça, hein. Je vais mettre ça sur mon junk, mais je vais le faire avec ces perles-là. Pourquoi ces perles-là? Regardez, c'est exactement ça. Regardez, si c'est pas joli tout plein. Voilà. Je vais faire ça, mais avec ça. Hein. Bon, je vais peut-être le faire sans vous. Si vous voulez que je le fasse avec... C'est facile à faire, ça, hein, franchement. Mais si vous voulez que je le fasse avec vous, bah, pourquoi pas. Mais on enfile des perles et puis ça y est. On fait un nœud, puis ça y est, on fait une boucle là. Et, hein. Bon, après, hein. Mais je vais le faire avec celle-là pour pour ce junk. C'était juste pour vous dire ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Passez une très belle journée. On se retrouve peut-être ce soir pour l'ouverture du courrier, parce que j'ai quand même pas mal de courriers. Donc, on se retrouvera ce soir sûrement pour ça. Et demain pour le junk. D'accord? Comme ça va me permettre de ranger un petit peu et de peut-être de trouver des merveilles. J'adore faire ça. Quand je fais un junk, j'adore, j'adore, j'adore chercher. J'adore. Ouais. Et puis dire, oh, j'avais ça, oh, j'ai ça, oh, j'ai... Oh, il est trop bien! Bon. Passez une belle journée. Je vous embrasse très fort. À bientôt.